Ils se sont munis d'intentions pour la paix et la cohésion nationale. Filles et fils de la 7e circonscription électorale appartenant au bloc africain se sont donc donné rendez-vous à Niki ce samedi 27 février 2021 pour une prière musulmane. Occasion aussi pour les participants de formuler de bonnes intentions à l'endroit de la candidature du duo Talent Talata. On suit le reportage de Léon Batonriro et de Marc Capo pour plus de précisions. Concentration totale sur les versets du Coran. Le Saint-Livre est lu entièrement par les musulmans à l'occasion de cette prière. Sous la direction de l'imam Abdou Karim Silla, imam central de Niki, l'on implore Allah afin que la paix règne au Bénin tout au long du processus électoral. L'imam a prié pour tout le monde entier et en particulier pour notre cher pays de Bénin. Il a demandé la paix, la santé et la prospérité. Il a également souligné l'amour. Il a demandé à Dieu que l'élection là se passe dans toute sincérité et dans la paix. Dans cette cité historique des Batambou, se sont retrouvés ce samedi 27 février 2021, fils et filles de la 7e circonscription électorale pour cette intention commune, mais aussi pour prier pour le duo Talon Talata. C'est pour demander à Allah Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, de semer dans le cœur de chaque Béninois la paix, la quiétude, pour que ces élections se déroulent sans violence, pour que les élections se déroulent sans violence. Nous avons voulu exhorter en particulier les populations de la 7e circonscription électorale, à savoir Sinandé, Bemereke, Kalale et Niki. Nous avons également prié en faveur du duo que nous soutenons, le duo constitué par Patrice Talon et Mariam Chabi Talata, qui sont aussi des artisans de paix dans notre pays. La jeunesse de la 7e promet continuer toutes actions utiles à la préservation de la paix. Elle peut d'ailleurs compter sur l'accompagnement des autorités locales pour une consultation sans violence. Dans la 7e, on n'en a jamais eu, et par la grâce de Dieu, nous n'en aurons jamais. Les élections vont se passer comme auparavant. Nous avons des canaux de sensibilisation, d'échange, de causerie, quand même dans les groupes qui font appel à la paix dans notre pays, et surtout au niveau de la 7e circonscription. Je crois que la jeunesse, c'est l'espoir du pays, et sans la paix, on saura quand même avoir l'espoir pour l'avenir de ce pays. La séance de prière s'est achevée par l'immolation d'une bête afin que les intentions formulées soient exaucées.